Une cartouche de fusil. Mais elle a quelque chose de spécial. Je refuse de mourir dans cette vallée perdue. Ma foi est forte, ma volonté aussi. Même si mon esprit continue à divaguer. Je nous revois jeunes, Constantin et moi. Jeunes. C'était un enfant difficile. Toujours à douter et à poser des questions. Il avait peur de ce que l'avenir lui réservait. Peur de ne jamais trouver sa place. La nuit où j'ai taillé ses marques dans ses mains. La nuit où j'ai murmuré à son oreille. Je l'ai créé. Je l'ai sauvé. Il a cru que c'était l'œuvre de Dieu, exactement comme je l'espérais. Maintenant, c'est à lui de me sauver. Et si finalement il n'y arrive pas, alors je me sauverai toute seule. Je me suis rapproché cette fois. Je me suis dit que quand je te trouverais, j'aurais peut-être appris quelque chose d'utile. Voilà ce que c'est. Une opération se prépare. De grande envergure. Il y a des centaines de soldats qui n'ont pas l'air commodes. Ils n'ont pas d'insigne, rien. Et ils sont rassemblés dans ces anciens bâtiments russes. On dirait que c'était un de ces horribles goulags avant. Je suis venu en me disant que t'avais besoin de mon aide, Lara, mais... Mais bon sang, qu'est-ce qui m'a pris? Je sens que d'ici peu, c'est moi qui vais avoir besoin d'aide. J'espère vraiment que t'es en vie, et que tu m'entends. Je vais rester planqué aussi longtemps que je pourrai, mais... Il commence à faire rudement froid ici. Je vais bientôt devoir trouver un abri. De Dieu! Si vous comptez me faire un serment... Jonah! On passe à la phase suivante de l'opération. Préparez-vous à... On a de la compagnie! Je te... Thank you.
Lara, Dieu soit loué, je crois que j'ai retrouvé ta piste. Je savais que t'étais vivante. C'est pas quelques milliers de tonnes de glace et de neige qui vont avoir raison de ma petite caille, hein? Il se passe un truc étrange dans les bois. Et ce sont pas les trinitaires. Quelqu'un m'observe depuis les arbres. J'avais de la nourriture dans mon sac. Quelques vieilles barres protéinées, mais... je vais bientôt être à sec. J'ai dormi dans un tronc creux la nuit dernière, et... quand je me suis réveillé ce matin, il y avait... un cadeau qui m'attendait. De la viande séchée et des baies, enveloppées dans une peau de cerf. J'ai cru que je rêvais au début, mais... il y a quelqu'un qui veille sur moi. J'espère qu'il veille aussi sur toi. Votre loyauté envers elle est totale. Je vous admire. Vraiment. Mais vous avez atteint mon seuil de tolérance. Dites-moi ce que vous savez. Maintenant! S'il vous plaît, non! Ne l'écoute pas! Je faisais seulement ce que je croyais être juste! Ratissez les cellules! Tuez-les tous! D'armes, j'ai pas pu. Chut, t'inquiète pas, c'est pas grave. Je suis tellement désolée de t'avoir entraîné dans tout ça. Je croyais que je pouvais le faire. Ils arrivent. Ils nous encerclent. Cette fois, c'est moi qui veille sur toi. Il va mourir. On n'a pas beaucoup de temps. Barricadez la porte. À toutes les unités, répondez. Il faut qu'on s'occupe d'elle. Je sais que tu aimes lire les revues archéologiques maintenant, mais je t'en prie, si tu lis des choses déplaisantes à mon sujet, n'y prête pas attention. Ces gens ne comprennent pas la portée de mes recherches. Elle les effraie même peut-être. Mais l'ignorance de ces imbéciles ne m'atteint pas, et elle ne doit pas t'atteindre non plus. Je t'expliquerai tout le moment venu, ma chérie. Ces gens qui avaient peur, est-ce que c'était les Trinitaires? Tu ne m'as jamais dit. J'imagine que ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Ils m'ont retrouvé. Je vais devoir les affronter. J'attends les ordres. Reste en position et tiens-toi prêt. Elle est dangereuse. Bien reçu.
faut que je m'en débarrasse. Confirmé. Elle est là. Fasse attention. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a plus en visuel. Sûrement à cause de l'eau. Faut que je fasse attention. Thank you.
Non, pas ça, non. Jonah. Jonah. Lara. Je suis là. Lara. Faut que tu m'écoutes. Essaye de ne pas bouger. Si. Si je m'en sors pas vivant. Ne dis pas ça. Attends, écoute. Il faut que t'arrêtes de t'en vouloir. On est tous responsables de nos choix. Il s'en sortira pas. Non, il peut pas mourir. Nous pouvons l'aider. Comment ? Nous devons l'emmener à l'observatoire, auprès de Jacob. Jacob est le seul à pouvoir sauver Jonah maintenant. On doit le ramener à l'observatoire. Jacob, il va mourir. Je vais m'occuper de lui. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il faut maintenir la pression. Préparez-le. Jacob, vous étiez mourant. Est-ce que c'est vous ? Dites-le-moi. Le prophète immortel. Je peux être blessé. Je ressens la douleur. Je suis humain. Sauf que je ne meurs pas. Et la source divine ? Je l'ai trouvée il y a fort longtemps. Elle existe. Et son pouvoir est prodigieux. Mais elle n'a rien de divin. Alors vous leur mentez ? Depuis des générations ? Je n'en suis pas fier. Mais c'était pour les protéger. J'ai déjà utilisé la source pour rendre mes soldats immortels. Mais c'était une terrible erreur. Les soldats que j'ai croisés aux archives. Lorsque l'ennemi a pris Kitej d'assaut, les immortels ont recouvert la cité avec la glace issue de la montagne. Des milliers de gens ont péri. Ils ont commis cette atrocité pour garder le pouvoir. Les Trinitaires en feront autant. Mais à bien plus grande échelle. Ça ne vous ressemble pas. L'homme que j'ai appris à connaître ne ferait jamais de mal au sien. Ouvrez les yeux. Tout ce qui est arrivé est ma faute. Et ça doit s'arrêter une fois pour toutes. Père ! Il passe à l'action. Ils vont utiliser la force pour percer la glace. Il n'y a plus aucun espoir. Non. On va pas rester les bras croisés. Jacob, sur le plan, on voyait un passage secret qui mène à la cité. Le chemin des immortels. C'est bien trop dangereux. On n'a pas le temps de tergiverser. Vous savez que je peux pas baisser les bras. Si nous pouvions les ralentir,
Ça nous laisserait une petite chance. Je vais réunir les hommes et nous les attaquerons sur la glace. Pars sur le champ. Ouvre la marche. Quand vous serez prête, vous verrez que l'entrée est située en dessous de l'observatoire. Je ferai de mon mieux pour votre amie.